Je ne sais pas vous, mais moi, les pompes m'ont beaucoup aidé. Dans mon physique, bien sûr. Allez hop, je vais vous montrer quelques photos. C'est pas pour flex, mais... Non, si, c'est pour flex. Bref, c'est quoi le plus important maintenant? C'est de leur rendre hommage. Comment ça? C'est tout en faisant 10 pompes dans 10 endroits différents. Exemple, sur un tapis. Check. Sur l'autoroute. 10. Check. Sur toi de la maison. 10. Check. Et ainsi de suite, vous m'avez très bien compris. Maintenant, il me reste encore 7 endroits à faire. Et plus on avance dans les endroits, plus les endroits deviennent chiants, gênants et durs. Donc maintenant, je commence directement avec... La table de babyfoot. Au beau milieu de la vidéo, j'ai eu envie de manger de la mangue. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien y faire. Sauf... manger de la mangue. Oh mon dieu! C'est un délice! Je ferais mieux de faire mes pompes pour que je passe à l'endroit suivant. Allez! Un. 10. Allez, encore une juste pour le sigma. 11. J'ai fait des pompes. Maintenant, on passe. Ok, j'exagère un petit peu. Tout ça juste pour faire des pompes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Avec un seul bras. Ok. 11. J'ai fait 11, non pas 10. Maintenant, comment je vais descendre? C'est ça la question. Après cette chute qui pue la merde, je suis allé à l'endroit suivant. Et cet endroit est tout simplement une bibliothèque. Oui, c'est très gênant. Et vous allez voir que j'ai été jugé. Mais de loin. MDR. Oui, ils se foutent de moi, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire mes pompes. Ok? Allez, maintenant direction une classe d'université pour faire mes pompes. Bon les gars, je suis à l'université. Maintenant je suis en train de chercher une classe, j'ai terminé cours, il est qu'à l'heure, c'est la table. Je suis en train de chercher une classe pour faire mes fichues pompes. J'ai pas le droit maintenant d'être en classe parce que c'est 20h et il n'y a pas classe. Donc je vais faire mes pompes rapidement et on passera à l'endroit suivant. Comment je vais mettre mon téléphone? J'ai oublié de rapporter le trépied. Juste pour être clair et net, regardez la classe, elle est juste là. Allez, je vais faire rapidement mes pompes parce que si quelqu'un vient et rentre dans cette classe et me voit en train de faire des pompes, je peux te dire que je serai viré de l'université. Allez, rapidement, rapidement. J'ai fait 11 pompes. Bon, maintenant je dois quitter parce que si quelqu'un vient, c'est la merde. Ils ont peur que quelqu'un soit détruit, etc. Maintenant, on passe à l'endroit suivant. C'est quoi l'endroit? C'est le parking de l'université. Allez, c'est parti. Bon, je suis dans le parking de l'université, regardez-moi combien il est grand. Bon, allez hop, je vais faire des pompes, je vais les faire ici au milieu de la place. Bon, allez hop, je vais quitter,
Je viens de faire mes 10 pompes. On passe à l'endroit suivant. Quel endroit maintenant? Allez, c'est parti. Je suis arrivé à cette maison abandonnée. Et je peux te dire, elle n'est pas tellement abandonnée parce qu'il y a un entourage et il y a des gens à côté. Mais bon, je suis rentré, j'ai un petit peu filmé, pas trop parce qu'il y avait beaucoup de poussière, la qualité elle n'est pas très bonne, etc. Donc les gars, maintenant je vais aller faire mes pompes et on se retrouvera à l'endroit suivant, ok? Je suis rentré, j'ai pas le droit de trop filmer parce qu'il y a beaucoup de gens alentour. C'est pas trop abandonné parce qu'il y a beaucoup d'immeubles et de bâtiments à côté. Et voilà, c'est le moment tant attendu les gars, c'est le moment que vous attendiez tous depuis le début de cette vidéo. Et oui, je vais faire 10 pompes au-dessus du feu. Ça va être chiant, ça va être dur, mais ce n'est pas grave, on va le faire les gars. Donc vous êtes prêts, c'est parti. Après 2 heures, voilà enfin le feu. Bon les gars, je vais enfin faire 10 pompes au-dessus du feu. Et franchement, c'est la première fois que je vais faire un truc pareil. J'espère vraiment que le t-shirt ne va pas prendre feu. Ou même le short, ça sera pire. Donc les gars, allez, c'est parti, let's go. On va voir qu'est-ce que je peux faire. Allez, 1, 2. La fumée m'aveugle, les gars. Allez, je vais essayer quelque chose de risqué les gars, juste pour la fin. 1, 2. Oh, encore une pour le bon spectacle. Les gars, ça ne se voit pas, mais j'ai vraiment brûlé. Je ne sais pas de quelle matière ce t-shirt est fait, mais j'ai senti que mon corps était en train de brûler. Mais regardez l'image, le feu était sur mon ventre. Il n'était pas à quelques centimètres, à quelques millimètres. Il était sur mon ventre carrément et le t-shirt n'a pas brûlé. Comment ça? Je ne sais pas. De quelle matière il est fait? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais aller en racheter encore 10 000 de ce t-shirt. Ah! Bon, j'ai fait ces fichus 10 pompes. Regardez le feu, il est encore allumé. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un petit peu brûlé niveau pec. Ce n'est pas grave. Niveau ventre, pas niveau pec. Les pecs sont ici, je suis désolé. On se dit à la fois prochaine. Allez, bye. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Allez, bye.